Bonjour à tous, je vais me permettre un petit test son afin de savoir si tout fonctionne. Car nous avons changé le setup. J'espère que vous allez bien. Bonjour. 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 Oui, c'est bon. Trop grand. Alors ça ne veut rien dire du coup, trop grand. La cam te coupe le haut du crâne. Ah, ok. Alors ça... Oui, donc il faut refaire le cadrage de la caméra. Faudrait refaire le cadrage de la caméra. Vite fait. Voilà, Docteur Tarr, c'est sur le coup. Parce qu'apparemment, je suis trop grand. Oui, il ne faut pas mettre le cadrage sur la porte de garage, évidemment. On a notre expert en caméra, Maïkoukoun du Maïkouklan, qui arrive. Pour nous assister. Il paraît que la caméra a été décalée par deux abrutis qui se prenaient pour des présidents de la République, Olivian. Parce Alors que c'est attends. notre projet! Et on n'avait pas des lumières ici. Alors si je ne m'abuse, Corentin, les pieds de la caméra doivent être à un même niveau pour obtenir un effet. Bah, j'ai pas l'impression. Olivian, j'ai une nouvelle recette dans mon grimoire. En vrai, les livres que vous avez achetés, ils sont incroyables. Fallait juste refaire le plan cam. Je crois que là, c'est pas mal. Hein. Je crois que là, c'est pas mal. Il y a juste un petit problème de porte de garage dans le cadre, mais ça, c'est pas très très grave à la limite. Merci de cadrer sur son genou. Est-ce qu'il a ton genou? Son 2D est un peu faible. Alors attendez. Tu es Je faible, Odemian. suis. Je suis le. Hein? Ah, c'est bizarre, mon son devrait être plus fort que le tien. C'est mon compte qui est là? Non, pas du tout. Attends, C'était je vais mettre juste. le mien. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai un deck, j'ai toutes les cartes en wild. Alors, comme vous savez, je sais pas si tu leur as dit qu'on a complètement oublié de faire le tweet. Oui, non, je l'aurais pas dit encore. Ah, merde. Bah voilà, on a complètement oublié de faire le tweet du deck Doctor. Du J'espérais coup. pouvoir leur cacher, mais. Voilà. Je ne peux plus désormais. Tu peux Du nous coup. changer le titre, Corentin, s'il te plaît? Du coup, Mais deck Doctor. on va partir sur des expérimentations que j'ai lancées pendant un de mes streams la semaine dernière, qui n'étaient pas du tout concluantes, mais j'ai eu d'autres idées. Ah! Tu sais, un L'objectif. deck que j'aimerais bien rejouer aussi, Ouais. si on a l'occasion. Je me dis qu'on peut faire un espèce de petit best-of, tu vois. Et on Ouais. pourrait rejouer le deck OTK Chroniqueur Show. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me l'ont Oh réclamé. merde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me l'ont réclamé. Ok, on peut y réfléchir à une autre variante. Du coup, ça va être un deck docteur un peu, tentative désespérée des savants fous pour mener à bien leurs expériences. Donc moi, je voudrais faire un chaman, ok, avec un carniflore qui a charge et 1 million d'attaques. Ok. Pour ce faire. Comment tu lui donnes charge? Alors, il y a une carte Ouais. qui dit que si l'adversaire a plus de 6 Ravi cartes de en main, vous revoir. votre serviteur a charge. Oh putain de merde, oui, je m'en souviens. D'où le roi Mukla qui va donner des bananes à l'adversaire pour qu'il ait donc plein de cartes en main. Ah, ok, Et d'accord. donc on joue plein de fois Ok. Carniflore avec la carte qui double les points de vie du Carniflore. Et ensuite on fait un alchimiste pour inverser l'attaque et la vie à attaquer. Le problème, et c'est Ouais. là que j'ai échoué la dernière fois, Ouais. c'est comme on a joué au cours de la partie le petit élémentaire qui double les cris de guerre. Si tu fais l'alchimiste, ça inverse et ça réinverse. Donc, il faut jouer une autre carte entre-temps, Ouais. puis jouer l'alchimiste. Et là, c'est bon. Attends, comment ça, il faut rejouer une autre carte N'importe entre-temps? quelle carte avec cri de guerre, son cri de guerre se fait x2, Ouais. quelconque. Et ensuite, on fait l'alchimiste qui n'a pas le cri de guerre x2, et du coup, il fait juste inverser une fois. Tu n'as pas compris? J'ai C'est pas pas suivi la grave. fin avec l'alchimiste. C'est incroyable. Alors. Je vais recréer le deck Mais rapidement. ça me plaît beaucoup, hein, cela dit. Alors, j'ai pas une version toute faite du deck. On T'as va même pouvoir rien, la quoi. retravailler. D'accord, ok, très bien, ça me Ok? va. Ça me va, on part de zéro. On part de quasiment zéro, je l'ai en tête, mais j'ai besoin de ton C'est expertise de même plus du docteur. deck Doctor, enfin c'est Docteur Frankenstein, là, on prend des pièces détachées et on essaie de reconstruire. Non mais t'inquiète, le deck est incroyable. Ok, j'en Alors, doute pas. Alors déjà, comment tu pioches déjà? Parce que j'imagine qu'ils te font une solide base de pioche. on est en mode libre. Du coup, il y a une carte qui est pas mal pour piocher. L'esprit de la grenouille. C'est l'esprit de la grenouille, voilà. Incroyable.
couplée à une autre carte qui est vraiment sympa. Ouais. Savoir ancestral. La donc surcharge là... de 2, elle est un peu brutale, mais... Ok. Ouais, un peu. Est-ce que tu joues l'Orion de lave, du coup? Est-ce qu'on joue genre destruction élémentaire et Orion de lave? Alors, c'est pas prévu pour l'instant. D'accord. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on peut ajouter. C'est une option, ok, très bien. C'est une option. On peut jouer plus guérisseuse aussi, c'est une option sympa. C'est vrai que plus guérisseuse, c'est une sacrée carte, quand même. Alors, avec Esprit de la Grenouille, une carte très forte en wild, mais qu'on n'avait pas en standard à l'époque. Ouais. C'est le torrent. Torrent avec Esprit de la Grenouille, c'est pas mal pour. Parce j'imagine. Qu'il coûte, enfin, il coûte 4 pour aller chercher dans le deck, puis il coûte 1 ouais, à jouer, ça. Donc c'est vraiment top. Manœuvre d'Akata, c'est pas top parce qu'il y a Volcan qui est mieux. Ah bah oui, c'est vrai que Volcan est juste meilleur logique. Maintenant, ouais, effectivement. Et Séisme, je pense pas qu'on ait besoin d'aller ouais. chercher. Et là, tu vois, on a une petite base de sorts solide. Bon, on peut rajouter ça me semble léger au niveau des deux, mais ok. On rajoutera des sorts à deux. Ensuite, on joue. Donc il faut Carniflore. Carniflore, tu connais, un classique. Répète tous les autres cris de guerre des cartes que vous allez jouer pendant la partie. Ça, je pense que c'est une carte assez emblématique quand même. La plupart des gens connaissent Carniflore. Sauf ceux qui sont arrivés très récemment dans le jeu. De son pote Grava. Ouais. Grava, on connaît. Ouais. Qui va remonter Carniflore. Et c'est là qu'intervient des cartes qu'on connaît un petit peu moins. Où est-ce qu'il est? C'est la 6 pour 6, c'est ça? Qui charge quand l'adversaire a 6 cartes en main? Oui, mais il y a autre chose avant. Ok, mais oui. D'accord. Je me souviens plus si c'était la 6-6 pour 6 ou la 4-4 pour 4 parmi les cochons, là. Je triche. Double. Double les PV de ce serviteur. Ok. Ça, c'est pour que notre carte pas... il ait 1 million de PV. Il n'y a pas mieux que ça. Pour doubler les PV? Ouais, non, j'avoue, il n'y a pas... Okay. Mais en gros, l'idée, ça va être de récupérer un Carniflore à 1, mm-hmm. ensuite de faire Rôdeur sans visage, Carniflore à 1, ouais. et ensuite Rôdeur sans visage à 1, Rôdeur sans visage à 5, Carniflore à 1, et comme ça, on pourra le jouer genre 10 fois. Et donc, on pourra 10 fois doubler les PV du Carniflore ouais, avec... Et donc, faire un Carniflore gigantesque. Notre pote... qui double les cris de guerre aussi. Hein. Il te faut l'alchimiste dément aussi. Oui. En fois 1. Je suppose. Lui, parce qu'il est important pour assurer de remonter le Carniflore et parce que ça fait un truc de ouf. Mm-hmm. L'alchimiste dément, effectivement. Il était juste là. Et ensuite, deux cartes pour donner charge à Carniflore, sinon c'est pas vraiment un OTK. Hein. Il est où? Le roi Mukla. Ouais, donc le but c'est vraiment de faire un énorme truc parce que sinon on pourrait jouer juste le Drake du Crépuscule pour booster les PV du Carniflore. Ouais, mais ça on n'arrivera pas à 1 million avec. Ouais, c'est ça, ok. Le but c'est vraiment d'arriver à genre 1 million de dégâts quoi, très bien. Ouais, ouais, ouais. Et donc attends, c'est une 6-6, c'est le cochon là, voilà. Chef Uran vêtu de cuir. Ça fait un très bon cosplay Road ça d'ailleurs. Rogue. Oh merde. Non, je le cosplay pas moi lui. Hein. Ok. Il nous reste 6 cartes du coup qu'on peut rentrer. Donc là on a toute la combo. Là, on a tout ce qu'il faut. Non, il faut un. Je vais dire un cri de guerre supplémentaire, mais non, il n'y a pas forcément besoin. Parce qu'on pourra rejoindre un rôdeur sans visage. En fait, le tour de la combo, ça sera Carniflore, qui va donc être méga boosté. Rôdeur sans visage pour que le cri de guerre x2 de l'élémentaire Murmurant se déclenche dessus. Et ensuite, Alchimiste pour inverser. L'attaque du Carniflore. Ouais. Mais avant ça, il faut rejouer plein de fois le. Ah oui. Le oui. Rôdeur sans visage. Donc plein de Carniflore à 1 avec Rôdeur. Rôdeur, Carniflore, Rôdeur, Carniflore, Rôdeur, Carniflore. Ouais, donc il faut pas qu'on se fasse tuer pendant tout ce processus. Ouais. Okay, ouais. Bah, c'est pour ça, on peut rajouter un petit peu de soins, genre un robot de soins antique par exemple. Ah oui, comme ça il nous heal pendant qu'il fait ça. Ouais. Ça c'est pas mal. C'est mieux que buveuse, j'imagine. Ah, le laquais 1-1 qui réduit les élémentaires. Ah oui, le petit LM 1-1, c'est une option, ouais. Je l'avais mis pour le pouvoir petit, faire... Le petit quoi? Il y a un élémentaire qui réduit le coût des élémentaires dans ta main. Ah. Et du coup, ça te permet de faire sur le même tour Rôdeur Grava. Ce qui peut être sympa. Mais en fait, il n'est pas nécessaire, parce qu'on fera juste Carniflore, enfin... Un seul robot de soin, hein. C'est un peu lourd. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi, et c'est là qu'on gagne, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire. Ok. Écoute, comme sort à 2, comme je disais, il y a l'option de... Ah, ça c'est ok. De tonnerre. Ouais, il y a d'évolution aussi. Il y a d'évolve. Je sais pas si à quel point c'est fort en wild. L'esprit oméga avec volcan, ça doit être solide. D'évolve, c'est incroyable contre les paladins. Okay. Mais sinon, ouais, il y a Orion de lave. Ah, le portail.
Le portail. Portail, ah ouais, c'est bien. Portail, c'est incroyable. Portail, ça me semble très bien, effectivement. Alors, il n'y a rien pour remonter les carniflores. Effectivement, on a oublié notre pote Gangstereo. Pour, faut qu'il y ait quand même d'autres carniflores qui pop, sinon ça marchera pas. Sinon, ça ne marche pas, effectivement. Et donc, du coup, ça reste random. Non, parce qu'on va faire une fois Gangstereo. Ouais. Et ensuite, on fera élémentaire murmurant carniflore. Ce qui fait que... La première fois, il y a tous les cris de guerre du carniflore qui se font. Ah oui, et ensuite, okay, tous les cris de guerre. Donc, on est sûr que ça va fonctionner. Mais comment tu fais élémentaire? Et ouais, du coup, il faut le petit murloc qui réduit... Ouais. Ou Torisan. Soit Torisan, soit le petit élémentaire qui réduit les élémentaires. Les deux sont OK. Autant prendre Torisan, non? Enfin, Torisan, c'est... Bref, on peut pas toujours le jouer, Torisan, c'est ça le problème? C'est... Tu peux... Disons que le petit élément, tu peux le mettre sur le même tour qu'un volcan, quoi. OK, OK. Il est où? Lui. Il est là, messager de la fournaise, c'est ça, hein? Ouais, messager de la fournaise, on veut... réduire l'élémentaire murmurant. OK. On peut mettre aussi la... Il nous faudrait peut-être plus de tours de sort à 1, non? Je trouve qu'on est un peu light sur les sorts à 1. On est un peu limite. Je réfléchissais à autre chose. Il y a aussi la carte qui pioche un élémentaire du deck. Celle-là, elle peut être sympa parce que bah, par rapport à une ingénieure de vie, elle va pas se rejouer plein de fois avec le carniflore. Donc ouais. C'est OK et ça peut nous permettre d'aller chercher Grava. Comment elle s'appelait déjà ? Lieur de sable. Lieur de sable, c'est ça. Elle est encore en standard ? Non, elle est plus en standard. Si elle est partie, c'est à la dernière rotation, j'ai un doute. Bois maudit, non, elle y est plus. Voilà. Et là, on a une petite merveille. On en met deux ? J'en ai aucune idée. On peut peut-être mettre un séisme ou quelque chose comme ça aussi, ou un devolve, je sais pas. Non, on est limite en... Moi, je trouve qu'on est limite en AOE. Pour l'instant, elle est juste volcan, mais tempête de foudre, c'est un peu bof. On peut virer les doubles vues, elles sont pas nécessaires. Ah ouais ? Bah, je pense pas. Enfin, ouais, je pense que moi je les aime bien quand même. Ok. J'aurais bien rentré le package destruction élémentaire. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais. Bon, ça me paraît vraiment très cher. On n'a pas de dragon, non. Mais Yogg-Saron. Y a pas la. Ah oui, on a oublié le gang stéréo. On a pas mis le gang stéréo. Je croyais que j'avais mis. On en met qu'un, hein. Oui. Ok. Bon bah voilà. Parfait. Attends, j'ai le screen peut-être quand même. Non, on a le tracker normalement. On a le tracker, parfait. On peut le lancer. Normalement, je l'ai lancé, le tracker. Let's go. Je sais pas s'il apparaît Zola sur peut-être. Zola, on devrait pas en avoir besoin. En fait, j'avais testé et ça posait plus de problèmes qu'autre chose parce que... Je suis pas certain que le tracker soit... Normalement, il est là. Ok, j'espère. Zola, le problème, c'est que tu te retrouves avec trop de cartes à 9 dans la main après. Des carniflores à 9 et on est un peu bloqué. Ah oui, et bonne remarque de gros donut. Tout est calculé, j'ai vraiment préparé l'émission à fond. Ouais. Dans le sens où on est rang 10, on peut pas perdre d'étoiles à ce rang. Ah, c'est parfait ça. Donc Alors. Devant le roi Rastakhan. Qu'est-ce qu'on garde là contre prêtre? En vrai, je garderais juste. Peut-être volcan, on peut le garder parce que c'est juste trop fort. Est-ce qu'on mulligan pas tout pour de la draw? Si, on peut. Allez, on aurait pu aussi. Fin... Parce que mulligan tout pour esprit de la grenouille, ça me semble quand même être le play la plupart du temps. Oui. Ah, la chef urane vêtue de cuir. Ouais, contre Priest, il y a moyen qu'elle soit OK. Très souvent, il va avoir 6 cartes ou plus dans la main. Ouais. Le cochon. Et donc là, évidemment, la question, ça va être comment on fait pour tenir jusque jusqu'au bout. Ah bon, on a une nouvelle table de son. Ah, le. Ouais, bah en fait, j'ai pas trouvé l'autre, donc j'ai mis celle-là. Bah écoute, elle a l'air de fonctionner. Ça marche, donc j'ai pas tenté de lancer le mauvais sort et d'en changer quand Alan m'a dit qu'il pouvait la changer. Tu as bien fait. On a combien d'LM du coup dans le deck? On a Grumble. Vos désirs ne sont que des suggestions. L'élémentaire, on a le Harbinger. Ouais. Je veux baisser un peu. Attends, je vais baisser un peu le retour. Vas-y, baisse-nous un peu le retour. Parce que là, c'est vrai qu'il est un peu fort. C'est celui-là ou celui-là? Je sais jamais. Hein. Je te laisse explorer. Je vais vous apprendre. Ah, terminé. Ouais, je crois que c'est ça. C'est celui-là. Ok, on a Grumble. Ça marche toujours le son?
La musique du jeu est très forte. Ah bah en fait, fallait juste virer dans... Là. Ça devrait voilà. être mieux pour vous, là. Alors, le rôdeur sans visage, on le joue, du coup, vu qu'on en a deux ? Moi, je préfère le garder. Ok. Je préfère le garder pour faire vraiment... avoir les deux en main et faire rôdeur, rôdeur, carniflorme. C'est peut-être un peu greedy, mais... Et qu'est-ce qu'on fait là du coup ? En vrai, on peut le jouer. Je pense qu'il faudrait le jouer quand même. On peut le jouer. Mais le deuxième, faudra le jouer plusieurs fois. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je suis d'accord que c'est pas optimal, mais là, ça, le tour me plaisait pas trop quand même. On nous fait une remarque que le Zephry c'était pas forcément optimal en face. Non, le Zephry c'était suboptim en face, clairement. je pense qu'on veut le dire. Zephry pour sauver le 2 en tuant 2 totems, what the fuck. Donc là, on peut juste jouer bah, la motarde. Ouais. Et on trade, hein. Oui. Notre but n'est pas de tuer notre adversaire. Vous l'avez compris. Les gangs stéréo, on peut les jeter n'importe quand aussi. Ouais. On le balance et après, c'est Est-ce qu'on aurait intérêt à jouer une Evolve, juste pour synergiser avec ? J'aurais tendance à mettre plutôt l'arme, qui me paraît plus... Ouais, peut-être l'arme plus forte. Hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a une version en standard... qui joue de Shaman Evolve qui joue deux fois l'arme et deux fois le pirate pour redonner l'arme alors qu'il n'y a vraiment aucune arme quoi. C'est complètement all-in. Elle est incroyable. C'est incroyable. Et elle est forte la version ? Ça va. Ouais, c'est pas un deck terrain. Est-ce qu'on fait esprit de la grenouille, double vue et un orient de terre ? Ouais, juste pour cycler. Ça me paraît bien. Et potentiellement ça nous donne quelque chose de jouable. Le zap, on le fait du coup. Ouais, ah, oui. Je pense, hein, on veut juste tout cycler là. Ok. Évidemment, on perd. En fait, on perd le zap, mais. Et le silence. C'est pas grave, on est juste là pour piocher là, concrètement. Ouais, et on trade. Quelle indignité. Et là, si on arrive à claquer les torrents, mine de rien, ça nous permet de récupérer les deux Ancestral Knowledge. C'est comment ? Assez ouf. Si on arrive à mettre les torrents, du coup, ça nous donne les deux savoirs ancestraux. Ouais, et là, on pourra piocher. C'est vraiment fort. Ouais, et on pourra vraiment. Ouais, on pourra vraiment récupérer tout le deck là pour le coup. Le gravat, on peut le jouer aussi n'importe quand, mais ouais. Pas de. Le gravat, il faut pas le jouer sur un lurker ? Ah non, ça change rien. Non, ça peut aller. Très bien. Aïe aïe aïe. Bon. Tant qu'il n'y a pas le numéro 2, tout va bien. Ah ! Pourquoi ? Alors là. Là, il y a danger là. Ah, ça ira, non, il aura assez de cartes. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut, ouais. faut espérer. Torrent, du coup. Ouais. Est-ce qu'on torrent deux fois, juste pour draw ? Peut-être un peu excessif, quand même. En fait, le truc, on pourrait torrent et gang stéréo. Ouais. Tu veux pas faire l'Orion, quoi, comme ça, c'est fait, pour vider la main ? Et comme ça on garde le torrent ouais. pour non, plus tard. Non, t'as raison, c'est juste meilleur. Ça joue ça, prêtre Non. Raza Ok. Non, ça me dit rien, ce code-là, il t'oracle. Mais on est rang 10, on peut pas faire d'étoiles à ce rang. On peut croiser les choses bizarres. C'est ça, ouais, clairement. Puis on est vers la fin de saison quand même, là. On est quoi, on est le 22 aujourd'hui, 23 Ouais. Ah, il a peur. Ah, il perd son murloc, donc il n'a pas de dragon en main. Je sais pas si ça nous donne une quelconque info. Mais... Ça va. Ah, ce qu'on peut faire, c'est élémentaire murmurant et gravat. Comme ouais. ça, on n'aura pas besoin de réduire l'élémentaire murmurant. Pas mal ça. Est-ce qu'on le rejoue ? Ah bah non. Non, par contre, on va peut lancer le torrent. Je pense qu'il faut qu'on jette des cartes là. Ouais. Et du coup, le Fireplume à Harbinger, là, on en a pas besoin. Ouais. Combien de cartes dans le deck ? 9. On en pioche 4 comme ça. On sera à 8 au prochain tour. Ouais, on peut vider le deck très très rapidement, là. Et donc là, si on fait le petit LM et Carniflore, on est sûr de récupérer plein d'LM. Plein de Carniflore. Okay. Et ensuite, fait Slasslurker, Carniflore, fait Slasslurker, Carniflore, etc., etc. Et dans tout ça, il faut qu'on espère qu'il reste à 6 cartes ou plus en main. Oui, maintenant. Okay. Ça fait un petit peu peur, ça. Bah, on a perdu Mukla, quoi. Ouais. De base, c'est joué contre l'aubergiste. Non, mais j'ai perdu contre l'aubergiste. Mais là, maintenant, on a le bon deck.
J'avoue que je suis assez fasciné par ce deck. Hein. Je pense que ça peut être incroyable. Oh, what the fuck. Mais il est pas censé faire ça une fois qu'il a joué en doigt. Il a vraiment plus rien là. Ah, faut trade, hein, faut le. Ouais, on prend tous les trades. T'inquiète. Et on a la pluie. Va falloir se vider la main aussi. On peut faire esprit de la grenouille. Double savoir ancestral, ça nous fait piocher quoi? Ça nous fait piocher 5. 6 même. Non, c'est trop du coup. C'est trop, je pense qu'esprit de la grenouille, on va le garder en main toute la game, à mon avis. Okay. On pioche du coup? Ouais. Sinon, ouais, vas-y, on va commencer par draw. Volcan, robot de soin. Trade. Trade. Robot de soin. Pensez à pluie. Grenouille, pioche. Ok. Ou pluie, pioche, grenouille. Grenouille, pioche. Grenouille, pioche, ça nous fera piocher quoi? Ça nous fait piocher 3. Ah oui, on sera à 7, donc on overdraw en fait. Grenouille, pioche. Donc pioche, grenouille. Pioche, grenouille, ouais. Tu as raison. Donc là, le rôdeur, il faut le garder. Le problème c'est si Shudder est la... si Shudder est la dernière carte du deck, c'est un peu la panique. Bah ça va être un peu chiant, ouais. Il y a plein d'autres cartes qui seraient un peu chiantes en étant dernière carte du deck. Mais là il n'y a plus que Shudder, ouais. Il n'y a plus que Shudder là, qui est vraiment donc, désagréable. Donc faut le piocher dans les deux tours qui viennent. Ouais, c'est pour ça il faut pas non plus se mettre à la fatigue avec, la... avec l'esprit de la grenouille là. On fasse gaffe. Quelle est la volonté des lunes? Donc l'idée là c'est de faire... élémentaire Shudder into... Rodeur Shudder, c'est ça? Ouais. Into Rodeur, 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 Rodeur. Enfin, into Rodeur, 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 Rodeur. Et double vue. On peut la faire, hein. Ça, ça nous fait pas. Parfait. Okay. Et donc là. On attend pour faire Rodeur Shudder au prochain tour. Donc on fait. De faire l'alchimiste du coup. Non, non, on a besoin pour tuer. On peut faire portail et zap. Attends, le portail ça nous fait avancer dans le deck, très mauvaise idée. On n'a pas le choix, ah ouais. Pour ma gloire. Non mais on va juste zap, ça nous fait pas avancer. Zap la 0-3. Ok. Ok ok. Du coup je fais pas de totem en fait parce que... Non. Il faut qu'il tue mon board là. On peut se surcharger de... 2. Il fait rien là, c'est la merde. Non, il va finir par poser des trucs. En fait, faudrait qu'on trouve un moment pour caler le robot de soin aussi. Sinon, on fait volcan. Volcan, oui, on peut pas faire volcan robot de soin, on est surchargé. On peut faire volcan portail portail. Ouais. Comme ça, ça nous surcharge de 2 et on peut toujours faire notre truc. Alors, risque de prendre pas mal de fatigue en fait avant d'avoir réussi. Ça se trouve, faut faire même portail portail volcan. Ah, pour avoir zéro board. Ouais, ouais, je pense que t'as raison, ouais. Mais je pense qu'il va tuer des choses. Oh! Ah, attends, il est en train de nous faire un big brain play, là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça sent le big brain, qu'est-ce ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça sent le five header en face, là. Il a tout prévu, il va piocher tout son deck. Ok, non, ça va. Pas si five head que ça, du coup. Le cri de guerre de l'alchimiste se déclenche pas deux fois. En fait, l'alchimiste, tu le joues carrément à la main après, c'est ça l'idée? Non, l'alchimiste, tu vas en fait, tu vas jouer Carniflore, puis Rodeur, puis okay. Alchimiste. Donc là, je fais élémentaire Carniflore. Ah bah non, parce que ça va remonter Grumble. Est-ce que c'est ok si ça remonte Grumble? Bah non, parce que ça va remonter élémentaire Murmurant et Grumble. Et il n'y a pas la place pour un Carniflore en plus? Bah non, on a 10 cartes. Donc il faut tuer le board. Il faut tuer le board là. Il faut portail, portail, volcan. C'est pas fou. Attends, il y a peut-être mieux. On peut pas faire Carniflore Grumble? On peut faire... Attends, je vais être sûr, hein, mais juste... Carniflore, puis Grumble? Ouais. Ok. Oui. C'est bon, non? Bah, je crois. Ça va remonter Grumble. Et ensuite, on joue Grumble qui remonte Carniflore. Ouais. Alors pourquoi on peut jouer Carniflore? Parce qu'il a charge. Ah oui. Du coup je tape. Fais un portail avant.
Quoi? Ah ouais, ok. Et là, on récupère, deux, là, on récupère deux carnifleurs, du coup. Ok. On aurait pas dû taper. Attends, pourquoi il a proc deux fois le gravat là? Comment ça? On a joué élémentaire pour faire deux fois les crit. Ah oui, c'est vrai. Donc là, on fait rôdeur carniflore. Non, mais faut pas que je tape là en vrai. Non, non, tape pas. Faut bien récupérer le rôdeur à chaque fois par contre. Il fait aucun effort. Hein. On fait rôdeur carniflore. Ça va nous remonter le rôdeur carniflore. Est-ce qu'on fait un portail dans l'histoire? Faut faire gaffe à pas le remonter le portail. Ouais. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que Grava là il est. Non, mais sinon on fait. Rôdeur portail carniflore, c'est pas mal? Non, ça ira pas. Rôdeur. On commence par Rôdeur Carniflore. Ah ben non, attends. On a combien de cartes en main là? 10. 10. C'est pas grave, on remonte pas le Carniflore. Oui, ce qui n'a aucune importance. Ouais. Rôdeur Carniflore. Rôdeur Carniflore. Et ah non, mais là le problème. Ouais. C'est que si on refait Rôdeur Carniflore, il va y avoir plein de Carniflore sur le board. Ah non. Non, c'est mort. Ok, là c'est bon, on peut refaire rôdeur carniflore. Bon, du coup on récupère rôdeur et carniflore. Obligatoirement. Ouais. Et on refait. Et on refait, Attends, il y a peut-être un monde où... Ouais, j'ai non, fait une c'est... bêtise là. Bah si le dernier truc qui proc c'est le gang stéréo, tu vas pas remonter rôdeur je pense. Attends quoi? Oula. C'est bon. Ah oui, ok, je pouvais remonter deux carnifleurs, c'est ça? Ouais, peut-être. Après, de toute façon, on a l'étal, mais. Là, c'est pas un l'étal à 12 milliards, quoi. Là, on attend. Fin de tour. Trade. Ouais, je peux trade. Attends, peux... mais y'a tout qui peut attaquer? Bah oui. C'est des copies, elles ont toutes charges. Trop bien. Donc là, il est qu'à 94. Hein. Non, il est à combien? 96? Et tu vois, là, si on fait genre rôdeur carniflore, ça va pas. Parce qu'il y a 3 carniflores sur le board. Ouais. Oui, je vois. Donc, faudrait faire rôdeur, portail, pluie, des choses comme ça. Je vois. On veut 1 million de dégâts, les gars. Donc là, on est à peu près à 100. Du coup, quand on va redoubler, on va être à 200. C'est long, en fait. Non, parce que x2, c'est, ouais, ça ouais. va vite. Hein. Oui, ça va assez vite. Ouais. Mais quand même. J'aimerais bien qu'il tue notre board. Ah, je crois qu'il l'a trouvé. De l'ombre horreur. Tant que c'est pas un doigt, ça va. Pas horreur, comment ça s'appelle? Ruine. Ruine, c'est ça. Ça remonte pas d'abord ceux de gauche, hein. Ça remonte dans l'ordre où vous les avez posés. Le pauvre, quoi. Nous avons... Il fait un peu de la peine. Non, ça peut pas aller face, c'est un rush. Pour rôdeur, vider deux cartes. Faire de la place. Ouais, rôdeur. Puits de soin. Ouais, portail aussi, ça peut le faire. Bah, là on fait les deux. Ok. Ah ouais. Portail. Là on a 4 cartes en main. Flore. C'est bon, hein. 1, 2, 3. Oui. Le problème, c'est que là, il faut qu'on attende les animations pour savoir si on peut jouer ou pas. Si on peut jouer ou pas, ouais. En toute logique, comme on a fait. On peut pas refaire plein de fois Grava d'ailleurs. Donc on ait plus de chance de remonter juste... nos trucs. On peut pas juste faire. Ouais, on pourrait juste faire là. Rôdeur, Grava, Carniflore. Attends. Bah là, on peut faire Rôdeur, Carniflore. Ouais. Ça. Rôdeur, Carni, du coup. Ouais. Ah ouais. On récupère et, les deux. Et on peut poser le Grava tel quel. Juste jeter le gravat. Comme ça, on a plus de chances, tu vois, de remonter nos carniflores sans les dupliquer. Ok. Et en fait, le deuxième carniflore sur le tour, il a les crit guerre x2. Hein. Donc ça monte beaucoup plus. Le premier carniflore. Ah oui, ok, d'accord. Fois. Oh là là. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'as que des carniflores en main. Tu peux pas monter si haut que ça dans la combo parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus que des carniflores. Ou alors tu peux jeter des carniflores.
Est-ce qu'on doit pas jeter des carniflores? Mais en fait, la combo, elle prend 74 tours. Enfin, pour tuer, c'est pas très long. Mais pour faire 1 million, c'est très 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 long. Après, il a l'air de nous laisser le temps en face. Hein, ouais, ouais, il est gentil, hein. Il est adorable pour le coup. Mais... Ok. Est-ce qu'on joue un robot de soin? Histoire de commencer à limiter ce qu'on prend de la fatigue. Ah, on va faire. On va finir par un robot de soin. On okay. fait des rôdeurs carniflores. Rôdeurs carniflores. Ouais. On les trade, ouais. Mais là, on sait pas ce qu'on doit faire en fait. Non, ah, là, là je pense que c'est mal barré. Ah, oh, si, c'est bon. Donc là, on refait rôdeur carniflore. Ouais, ouais, ouais. Il va commencer à être gros, lui. Enfin, si on refait juste rôdeur carniflore là. Ouais. Est-ce qu'on a pas... Est-ce qu'on commence à avoir beaucoup de dégâts là? Vas-y, rôdeur carniflore. De toute façon, il va pas nous tuer tant qu'il a pas en droit. Hein. Vas-y, go refaire. Bah, ouais, sauf qu'on sait pas. Si on a remonté les. C'est bon là? Tu peux, je peux rejouer ou pas? Merde. Au pire du pire. Au pire, on tuera la combo au tour d'après, ouais. Non, je pouvais pas, merde. Pas fait le. Ouais, non, j'ai perdu le rôdeur là. Faire l'élémentaire juste avant, peut-être. Ouais. Et donc là, du coup, au prochain tour, je peux juste spammer les carniflores. Ah, mais non, mais... Ça ajoutera rien. Non, par contre, il faudra bien que tu joues le robot de soins antique avant de kill. Pourquoi? Avant de poser l'alchimiste, sinon, bah pour. Attends, il a plus charge là. Il risque de plus avoir charge. C'est 8 cartes en main ou 6 cartes en main? 6, 6, 6. Enfin, je crois. Donc là, le tour, ça va être carniflore, carniflore, robot de soins antique, alchimiste. Pourquoi robot de soins antique? Sinon, alchimiste, il va proc deux fois à cause de critères doublés. Ah oui, ok. Enfin, un disciple digne de ce nom. Donc là, on va avoir normalement 12 000... 12 000, ouais. 12 288 dégâts? Ouais. Du coup, il manque combien pour faire 2 millions? Pour faire 1 million? Bah, 24, 48, 96. Ah, il manque beaucoup quand même. Hein. Il manquait quand même quelques tours. Hein. Il manquait genre 3-4 tours, je pense, pour le setup. De toute façon, le fail. Bah. Disons qu'on a perdu le. On va pas faire autant de dégâts que ce qu'on souhaitait à la base, mais. Et donc là, je fais juste carniflore. Ouais. Oui, tu fais carniflore, tu fais un deuxième carniflore. Pour... Parce que là, les critères vont être pour qu'il soit plus gros. Ok. Là, je fais élémentaire murmurant. Tu fais robot de soins antique. Robot de soins antique. Ah oui, pour pas que. Parce que les carniflores s'augmentent pas entre eux, il y a que. Juste robot de soins antique et alchimiste dément, du coup. Ouais. Attends, mais le gros carniflore il est remonté là. C'est oui, celui-là, c'est celui-là qui va tuer. Qui devrait être à bien plus que 12 000. Hein. Ah non. Non, non, lui il a crit de guerre x2. Tu penses? J'espère. Je sais pas en fait. Ok, ça double encore. Ah oui, oh, attends, il est gros là. Là, je peux inverser et aller face. Ouais. Ah, attends, il est gros quand même. Hey, attends, le million oh, oui, c'est bon, le million 6 millions. Allez 6 millions de dégâts. Presque 7. Je sais pas, je pensais... Mais oui, en fait, c'est que l'autre avait pas été doublé, son crit. Ouais. Je croyais que son crit de guerre avait été doublé à l'autre. Non, mais c'est bon. Oh putain, c'est génial. Hey, first try du premier coup. J'avoue. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'heure 20 qui nous reste? Ah bah, on s'en va.
Waouh! Ah, il était beau. What the Bon, fuck? on pourra remercier notre adversaire qui s'est pas barré. Oui. Et remercier Hearthstone de ne pas avoir donné Anduin à notre adversaire aussi. Ça counter le druide armure. C'est vrai. Tu montes plus haut que l'armure du druide Oui, armure. le druide armure, il monte à 1 million, nous on a 6 millions de dégâts. Ouais. Hard counter. Parce que le druide armure, il a que ça pour gagner? Non, généralement, il va jouer Mecha Cthulhu à la fin. Ok. Parce que des fois, t'as des gens qui sont relous et ils continuent la game, tu vois. Donc du coup, tu prévois quand même un petit Mecha Cthulhu au cas où pour... Ok, ouais, je vois. Pour pas que la partie dure 2 heures. Impossible de le faire 2 fois d'affilée. Bon, bah là, non, on va s'arrêter là. Hein. Oui. Genre 100%. Le deck est parfait. Ah, c'est de toute beauté quand même. Et tu vois, j'ai. Enfin. On aurait pu monter encore, Odenian. Après, il y a un moment où le serviteur il explose. Hein. Basé à combien c'est? À 1 milliard et quelques, je crois que ça explose. C'est à plusieurs milliards, ouais. Il y a un... pas exactement comment ça marche, mais ouais, à plus, je crois que c'est genre 12 milliards ou un truc comme ça, il explose. Ouais. C'est 10 chiffres en fait. Qu'il le Non, c'est fait. 2 puissance Oui, c'est à 2 puissance. huit octets, Ouais, je sais plus. c'est ça.